La sardine enfile son sac à dos et se laisse emporter par les ondes aquatiques pour un tour du monde tout en musique. Nous sommes sur Radio Sardine aujourd'hui dans Rooftop à Marseille, au R2, dans un petit salon cuisine des familles. Et je suis avec Elska aujourd'hui, qui va se présenter à nous dans quelques secondes et qui va surtout proposer un DJ set dans quelques minutes. C'est ça, exactement. Ben voilà, moi c'est Elska, j'ai 27 ans. Je fais de la musique depuis 7 ans à peu près. Je ne suis pas passé par la case musicien, je fais ça, je suis autodidacte en fait, j'ai jamais appris à jouer du piano, tout ça. Voilà, je suis autodidacte. Au top, super. Voilà. Alors aujourd'hui, on a donc l'occasion de te rencontrer aux côtés de NTO. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet artiste ? Quelle sensation ça fait justement de se promouvoir avec NTO justement ? Ah ben c'est un kiff parce que moi c'est grâce à lui, même si je peux dire à cause de lui, que je fais de la musique actuellement. Parce que c'est les premières musiques qu'il a fait, j'ai tout de suite accroché. Et la première fois que je l'ai vu jouer, j'ai voulu faire ce qu'il faisait, du coup je me suis dit pourquoi pas le faire, et du coup j'ai chopé un logiciel de musique et faire de la musique, j'ai fait de la musique pendant tous les jours, et ça m'a amené à jouer avec lui, je fais pas mal de dates avec lui, notamment avec Angry Music surtout, mais voilà. Alors effectivement dans ta création, j'ai eu l'occasion d'écouter un petit peu ton projet, tout ce que tu crées, on va dire. Voilà, donc on parlait de Mirage tout à l'heure. Moi, c'est un morceau qui me plaît beaucoup. C'est assez planant, c'est assez entraînant. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on pouvait retrouver avec notamment Joris de la Croix. Bon, c'est des mondes différents. Après, disons que moi, c'est surtout un ressenti qui me plaît beaucoup dans ce que tu fais. D'accord. On est à Marseille, on est à côté de la mer. Je trouve vraiment que ce que tu fais se rapproche beaucoup de Marseille. Donc ma question, ça va être: comment tu te sens à Marseille quand tu crées et surtout quand tu te promouvois comme ça? Je suis au top. Moi, c'est ma ville. Je suis né ici. Je vis pas à Marseille. Je vis à côté de Marseille, dans un petit village. Mais c'est vrai que quand je joue ma musique, quand je suis à Marseille, comme ça, je suis aux anges. C'est le top de jouer dans sa ville. C'est excellent, surtout avec des artistes qu'on kiffe, qu'on aime beaucoup. Enfin, en plus, maintenant, c'est devenu une personne très proche, et du coup voilà, c'est le top, je suis un gosse quoi, je suis vraiment un gosse. Ah, c'est super, tu as l'occasion du coup d'avoir peut-être d'autres projets dans d'autres villes, ou c'est forcément toujours sur Marseille? Ah non, oui, j'ai pas mal de projets pour l'instant, c'est un peu, on essaye d'arriver un peu plus loin, mais la semaine prochaine je vais justement jouer avec Ento au Jazz à Montpellier, le week-end d'avant on avait fait Toulouse et Bordeaux. On avait fait le Tomorrowland, on avait fait pas mal de grosses dates aussi comme ça, la Turquie, tout ça, c'était vraiment top. Et la plupart des grosses dates que je fais, c'est avec eux, et c'est un kiff quoi. C'est des enfants, on rigole bien, franchement c'est le top quoi, c'est le top, c'est vraiment top. Et du coup, t'as fait le Tomorrowland du coup? Ouais, j'ai participé avec Ento, Vorakel, c'est Joachim Pastor, il y a 2 ans il me semble, ouais, c'était il y a 2 ans. Et c'est vraiment un rêve de gosse qui s'est réalisé quoi, je voulais tellement y aller, mais bon. J'ai pas trop l'occasion, et du coup là le fait de pouvoir y jouer, c'est le kiff quoi, c'est le rêve. Ouais carrément au top. Alors quand tu parles de NTO, est-ce que tu as d'autres inspirations que lui quand tu crées? Est-ce que tu t'inspires de styles musicaux différents? Oui, ou tu bien restes sûr toujours entre dans l'électro, etc.? Ah oui, je reste toujours plus ou moins dans l'électro, mais après il y a plus du Bodzin, Stéphane Bodzin, ou Tall of Us, My Nuggest, ou des choses comme ça. Après c'est vrai que je m'inspire pas mal des trois garçons quand même, enfin de Joachim Pastor, Ento et Vorakels. Mais après je suis assez fermé dans mon style, dans mes influences, et du coup voilà quoi.
Au top. Alors, comment tu qualifierais ton style musical ? Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus pour l'instant ou c'est encore un peu compliqué ? Ouais, c'est très compliqué parce qu'au final, j'ai changé de style de musique parce qu'avant c'était très, très violon, très piano, un peu comme... un peu comme Voracles, mais au final j'ai essayé de trouver ma patte, ce qui a mis du temps, ça a bien mis 2 ans, 3 ans à ce que je trouve ma patte réellement, et maintenant j'essaye de m'approfondir mon style de musique personnel et avoir un truc personnel, mais c'est encore délicat, je me cherche encore, j'ai un peu encore en conflit, c'est un peu chaud quoi, mais bon. Introspection musicale. Ouais, c'est très... C'est frustrant même de ne pas arriver à mettre un truc sur sa personnalité musicale et c'est assez frustrant. Ouais. Ah, je pense que c'est lié à notre génération finalement. Aussi, ouais. Il y a énormément d'influence, énormément de gens qui font de la musique et du coup c'est vrai que c'est délicat quoi, d'avoir son propre style en fait. Alors, moi ce que j'aime bien rappeler un petit peu, discuter avec les gens, c'est je trouve qu'on est dans une sorte de génération Spotify en fait. C'est une génération où on va consommer énormément de musique. Avant on avait nos CD, on avait les vinyles, c'est ça, exactement. Automatiquement. Du coup, c'est plus délicat à écouter plusieurs styles de musique. Maintenant, c'est tout sur Internet et du coup, on est libre à tout style. Et c'est ça. C'est délicat, ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que moi, quand je découvre des artistes, que là, tout à l'heure, justement, j'étais sur notre interview, c'est une artiste, La Chica, qui était complètement... on n'arrive pas du tout à palper le style musical. Et du coup, ça m'étonne pas que tu me dises ça, finalement. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir mettre des mots sur... En même temps, c'est ça qui fait le mystère, justement, de ta création, finalement. Au top. Et comment tu te sens du coup pour ce live ? Ah ben nickel, hein. Moi c'est pas la première fois, ça fait 2 fois que je viens jouer ici et du coup c'est toujours la bonne ambiance, j'adore. En plus là ce qui est cool c'est que je joue un peu plus tard que prévu. Du coup j'espère qu'il va y avoir du monde, bon je pense, bon il fait un peu frais mais ça va le faire, c'est cool, moi je suis confiant, puis en plus voilà, il y a Anto. Ça va être une bonne petite soirée. Ouais. Comme d'habitude, hein, j'ai jamais été déçu au rooftop, hein, on sera jamais déçu, c'est le top, hein, c'est Marseille. Jamais. En plus, il y a Marseille ce soir, s'il gagne, c'est encore mieux. C'est clair. Est-ce que tu as un rêve, on va dire, de festival ? Est-ce qu'il y a vraiment un pays qui t'attire de fou et d'où tu aimerais bien justement te... Bah écoute, honnêtement, j'ai fait la Belgique 3 fois, et c'est là où j'ai pris le plus le kiff en fait, parce que les gens sont dingues, ils sont vraiment dingues, et c'est un public vraiment ouf, c'est vraiment ouf. Il y a eu la Hongrie aussi où j'ai même été choqué du public, c'était extraordinaire. Mais après non, pas personnellement non, n'importe quelle date où je vais, je suis au top. Franchement j'adore jouer, même si je suis un stress inimaginable à chaque fois que je vais jouer, mais après le premier quart d'heure, après ça passe et c'est cool, mais... Non, il n'y a pas de... Une sorte de rituel avant un live, Non, pas vraiment. Méditation... Ouais, je bois peut-être une petite bière quand même. Ah, la base. Parce que même mon médecin me l'a dit, boire une petite bière, ça détend justement le stress. C'est qui ton médecin ? Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas des bêtises. Il m'a dit, même boire une bière, ça détend. Et du coup, je le fais. Et franchement, c'est vrai que parce que les premières fois, c'était la nuit tendue et tout, c'était horrible. Et j'arrivais pas à me calmer. Maintenant ça va, ça le fait. Bon après j'ai fait pas mal de dates avec eux, du coup ils m'ont appris beaucoup de choses et tout, ils m'ont dit plein de trucs. Du coup maintenant c'est vrai que je suis beaucoup plus détendu. Au début de mes lives je suis beaucoup plus détendu maintenant, donc ça va, c'est cool. Au top, super. Allez, une petite dédicace pour Radio Sardine. Eh ben big up à Radio Sardine, et faites que ça dure et voilà, vous êtes au top et voilà. Super, merci à toi, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée à vous aussi et puis à bientôt j'espère. À la prochaine. Allez ça marche, merci. Allez, vas-y, présente-toi, Radio Sardine. Donc, bonjour à tous, moi c'est Gonal Royard, donc j'ai eu l'honneur d'être accepté en tant que stagiaire chez DanceCode. L'agence de booking, justement, qui book mes artistes préférés. Mes artistes préférés, donc Ento, Warax et Joachim, c'était vraiment, pour moi, des artistes vraiment complets. Genre, je me retrouve tellement dans leur musique hyper mélodieuse, et je me suis retrouvé tous les soirs pendant quasiment 6 mois, vraiment, à écouter que ça en boucle non-stop. Et j'ai eu l'occasion et la chance justement, désolé je monopolise un peu la parole, d'aller voir Ento et William, donc le patron de c'était DanceCode, qui ont mixé, et Joachim évidemment, au Magazine Club. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je réussisse à me dégoter un stage dans ce milieu.
Et du coup, j'ai postulé, j'y suis allé ballsy, on va dire. Et ça a payé. Pour le moment, je suis engagé en tant que stagiaire webmaster chez eux, du coup. C'est ouais. Super, tu y allais au culot finalement. C'est, voilà, non, c'est vraiment ça. Pour c'est le, on va dire, le symbole de Radio Sardine. On y va au culot, on interview, ça passe, tant mieux. Bon, on verra bien alors, du coup. Exactement. Merci à toi. Merci à toi, c'est à toi. Bientôt. Salut. Allez, fais-nous un petit big up, présente-toi à nos auditeurs. Salut Radio Sardine, moi c'est Tiffaine et je suis attachée de presse du label. Donc je travaille pour tous les garçons du label et des artistes chez Dance Code. Au top. Voilà. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien dans l'événement. Ce que je fais au quotidien, ben, je suis attachée de presse comme je le disais. Et ben, en fait je suis le lien entre l'artiste et la presse. Donc mon boulot en gros c'est de rédiger des communiqués de presse, des dossiers de presse et de vendre entre guillemets l'information à la presse pour obtenir articles, interviews comme avec Radio Sardine. Au top. Et des télés dans le plus grand des cas, meilleur des cas plutôt. Et bon, c'est pas grave, mon téléphone sonne, je suis désolée. Et voilà, donc en gros voilà mon métier. Au top. Alors ce soir on a l'occasion de voir intervenir NTO et Elska. Est-ce que c'est des artistes que tu as suivis depuis un petit bout de temps ou tu les découvres récemment? Alors Ento, oui, je le suis depuis un petit moment. Il faut savoir que moi je suis chez Dance Code depuis moins d'un an. En fait j'étais stagiaire, ils m'ont pris à l'issue de mon stage. Et oui, ils sont sympas chez Dance Code. C'est ça. Et du coup je connaissais le label Hungry Music avec Ento, Joachim Pastor et Voracle. Je les avais déjà vus plusieurs fois, tous les trois, les Hungry Parties. Et du coup je suis rentrée dans la boîte en connaissant ces trois-là. Et j'ai découvert grâce à eux un petit peu Elska par exemple et tous les autres artistes qui travaillent avec nous. Et du coup, belle découverte pour la plupart. Quand on découvre, on reçoit les sons qu'on doit vendre. Et à chaque fois, c'est des artistes bourrés de talent. Et comme Elska ce soir, et c'est trop chouette. Au top. Bah écoute, je te remercie. Avec plaisir. Passe une bonne soirée et puis on se recroisera sur les pistes. Yes, à tout à l'heure. À tout à l'heure.